J'ai modifié Super Mario Odyssey dans le but de rendre accessibles différents Goombas dans tout le jeu. J'ai aussi remplacé Mario par un Goomba parce que pourquoi ne pas dire bonjour de temps en temps. Et donc le but du mode est de voir à quel point on peut collecter des lunes en étant un Goomba dans le jeu, un maximum du moins. Et je vous laisse donc découvrir cette fois-ci ce que ça donne avec un Goomba. C'est un bon visionnage. Bref, du coup ça commence. Alors bon, on va prendre le Goomba classique, je pense. Ah mais c'est vrai que j'ai pas de... Oh, le cannibalisme qui commence dès le début, c'est terrible. Non mais pour moi j'avais capi, je voulais en prendre le contrôle mais je me suis fait U. Alors là je vous propose de faire un truc. Mon Goomba à moi, on va l'appeler Roger. Ensuite il y aura Robert qui nous fonce dessus et qui court. Et enfin le volant ce sera Gérard, ça vous va? Avec Robert vraiment, on va aller très très loin. Des beaux prénoms, bah ouais hein. Alors ici déjà je pense qu'on va... je vais tenter de jouer lui, mais à mon avis, parce qu'avec lui on peut pas monter en fait. On peut avoir un peu de hauteur mais pas tant que ça. Et il y a moi que si t'as pas les grenouilles, je puisse pas avancer de manière classique. Alors peut-être qu'en avançant par là ça va le faire, mais... Ah non, ici c'est pas possible hein. Ouais, à mon avis ici on va devoir utiliser le pouvoir de Roger. 1, 2, 3. Oh j'ai cru que je l'avais first try. Ah je suis mort là-dessus par contre. Ah je suis dégoûté. Rien que ce saut là, on peut y passer 15 minutes hein. Il est vraiment pas évident. Ah il est vraiment pas évident ce saut là. Évident, mais pourtant, oh là là, on l'a fait en try, on l'a fait en 3 fois. Pff, mais où est la difficulté, j'ai envie de vous dire. Et là, attention, le retour de Robert. Bonjour. Alors, par contre, ce que je sais pas, c'est est-ce que je vais garder la transformation pendant le combat ou est-ce qu'il a mis des Goombas? Ah, y a des Goombas, donc c'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne lui. Ok. Ping, ping. Ok, ah, ça marche de faire ça? Mais non. Mais non. Mais non, mais Miskin. Oh, imagine te faire marcher dessus par un Goomba. L'hôpital qui se fout de la charité un peu, non? Mais wesh! Alors le skin ne change rien, hein. C'est comme si je jouais Mario, mais juste ça me tue. Ça me tue de rire que je puisse faire ça en fait. Hop là! Et pour l'instant, Captidom, aucun souci! J'attends par contre, c'est de faire des. Oh, Goomba Odyssey! Bravo! Fais 1%? Alors oui, mais il y a des lunes, tu vois. Genre par exemple, je vais essayer de faire forcément les lunes de type faire Miskina la Goomba, tu vois. On va l'appeler Miskina, qui veut se taper plusieurs Goombas, tu vois. Alors évidemment, on est obligé de faire cette lune, donc on va prendre le chomp, on va faire ça. Et on va essayer de pas tuer Robert. Non, Gérard, pardon, excusez-moi, je vous ai confondu. On va essayer de pas tuer Gérard et c'est passé. Là, en vrai, là, on est avec Robert. Non, non, on est avec Roger. Oh, ah, mais il y a Gérard, là. Coucou. Bonjour. Vas-y, Gérard, vole. Hop là. Ah, attendez, là, je suis en train de dire. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, attends. Là, je monte là. Ensuite, je monte là. Et là, j'ai assez de hauteur, normalement, non? Genre, il y a un monde dans lequel je peux faire ça. Il y a bien un moment, il y a un rebord, ça peut monter, non? Il y a pas un moment où je peux faire ça? Ouais, non. Alors, à moins que. Peut-être si je commence de là, j'ai un peu plus de hauteur et ça passerait. Je suis vraiment un petit peu plus haut. Ah non, tant pis. Quoi en vrai, la solution là, c'est tout simplement prendre ça. Hein. C'est de prendre le chemin comme ça, hein. Baf. Hop là, non. Robert qui a tué Gérard. Salut, comment va, comment est-ce la señorita Gordosa? Hop là, hop là, hop là. Let's go. Et d'ailleurs, ça me fait penser, faut que je raconte une anecdote. Pourquoi j'ai appelé ce Goomba Gérard? Il y a, en fait, il faut savoir, moi de mon côté, quand j'ai bossé un moment dans les transports, je conversais beaucoup avec des fournisseurs et il y en avait un, il s'appelait Gérard. Gérard, c'est le nom du gars qui, en fait, quoi qu'il arrive quand il répond à ton mail, il répondait tout le temps en majuscule, vraiment. Et en fait, il parlait tout le temps en majuscule. Et du coup, j'ai créé un truc sur mon Discord qui s'appelait Daily Goomba. Et c'était en l'hommage à ce gars-là qui s'appelait Gérard, en fait. Où dedans, on pouvait mettre que des Goombas, écrire bonjour en majuscule et écrire toutes nos phrases en majuscule, en fait. Alors, où sont les Goombas? Ah, en fait, ils sont checkpoint, les Goombas, d'accord. Les fameux, les inséparables, on les appelle. Hein. Bonjour. Est-ce que ça pète le truc, ça? Non. Alors, par contre, je peux quand même faire ça, ça. Voilà. Là, je fais ça. Et là, attention. Mazette. Des tricks, hein. Hop là. Là, on prend ça. Hop là. Je pense qu'ils ont tenu, ils ont changé la tenue de mariage en tenue Goomba. Non, la tenue de mariage, vous verrez à la fin, c'est spécial. Donc là, attention. Comment? Attends, mais... Oh, la tête de ce Goomba, elle est... Ah, le Goomba, là, c'était une d'équerre, vraiment. Là, on va aller chercher un Goomba. On va prendre celui-là, tiens. Et on va prendre Gérard. C'est le gars sûr. Faut savoir que les Paragoombas ne t'attaquent pas dans Mario Odyssey. Oh, attends. La dinguerie, 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 dinguerie. J'ai cru, hein. J'étais vraiment content et j'ai vraiment cru, hein. Viens là, toi, suis-moi. Ouais. Magnifique. Une belle maîtrise en tout cas. Tu veux faire une tour de soldat Robert? Oui, bah t'inquiète qu'on va le faire après. Hein. T'inquiète que c'est prévu. Hein. Alors ça par contre c'est bien, mais c'est pas bien en fait. C'est de la merde. En vrai, si je monte là, il y a moins que là j'ai plus de hauteur et que ça passe. Mais ah quoique. Non, c'est si triste. Attends quoique. Là je suis encore plus haut là en vrai. Là je suis encore plus haut. Là ça passe. Ça passe 30 fois de faire ça. Voilà. Et là maintenant je suis bien. Normalement là je suis ok. Oh let's go. J'étais pas du tout obligé de le faire comme ça, mais oh tu veux prendre la lune Robert, c'est ça? Vas-y prends-la. Gentil Robert. À devoir la Robert.
C'est buscando Roberto para el mata de Gerard el señor Gumba. Bonjour. Alors du coup, maintenant qu'on a fait ça, quelle lune je peux m'amuser à faire? Là, j'ai accès à ce qu'il y a là-bas, normalement, qui est parfait. En fait, faut jouer avec la hauteur avec lui, en fait. Robert recherché pour meurtre, bah, on est là, hein. Attends, là, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire avec les Goombas. Hop là. Et je me dis, ça pourrait être stylé, c'est d'essayer d'aller choper la lune qui est là-bas, en partant de là-haut ou du haut de la pyramide. Ça pourrait être très bien, ça. Ça, ça a l'air facile. Ah oui, non, mais là, c'est pas un challenge, hein. C'est juste du fun, hein. Y a pas de difficulté, hein. Ah! Dommage, parce que je serais bien allé chercher la lune qui était là-bas, c'est pas grave, on ira la chercher après. Ah! Attends, mais en vrai, on rigole, mais c'est vachement haut, en fait. Attends, en vrai, j'ai envie de tenter. Moi, je suis à bonne hauteur, mais j'arrive pas à me rendre compte parce que c'est loin. Ça se trouve, je suis pas du tout à la bonne hauteur, et tant pis, faut être genre au niveau de la pyramide pour avoir assez de hauteur, parce que la pyramide me semble un peu... Ah, ouais, la pyramide est un peu plus haut, ouais, donc en vrai... Après, en vrai, tu vois, quand tu es là, tu fais ça, hop là, et c'est Robert, en fait, depuis le début, hein. Hop là, on va pouvoir prendre cette lune là-bas, là, let's go. Bonjour. Bon, en vrai, là, je pourrais peut-être finir sans, je pense. Bon, je me demande si ça marche, c'est ça, les sables mouvants avec lui, là. Ça marche. Ah, mais il galère un peu, on dirait il panique. Ah, on peut pas. Par contre, attends, mais je suis en train de me dire, est-ce que Roberto... Non, Robert. Terrible, une tragédie, un véritable massacre. Là, attention, là, tu montes, et là, magnifique. Magnifique. Hop là. Hop là, let's go, let's go. Du coup, ce que je voulais faire, c'était retourner en ville, prendre quelques pièces violettes et acheter El Chapo. Ah, mais j'ai même pas pris la une qui était derrière le shop. Ah, bonjour. Ah, que barre bien. On va garder ce chapeau tout le jeu, hein, vraiment. On va garder El Sombrero del Señor Macho Roberto. Hein. Il est magnifique. En vrai, franchement, le chapeau lui va trop bien. Muchi, señor. Et alors, attendez, on va se demander, c'est comment on va aller voir en gros. En vrai, j'ai pas petite idée. Ah, il y a peut-être moyen qu'il n'y ait pas assez. Attends, si, il y a assez, il y a largement assez, ça passe 3 fois. Ah, par contre, la question qu'on se pose, c'est ça. C'est comment on fait? Ah, je sais. Est-ce que ça marche de faire ça? Oh là là, magnifique. Incroyable. Attends, et ça? Ouais, ça marche pas, ça, par contre, hein. Oh là là. Et lui, il a vraiment un des pouvoirs les plus claqués, en vrai, hein. On fait croire qu'il est fort et tout, Rango, mais en vrai, il a vraiment le pouvoir de tous les lapins, c'est celui qui est le plus claqué, en fait, hein. Let's go. Ça me foudroie, il y a un regard entre Capi et le Goomba à chaque fois, on dirait qu'il y a une romance quoi, fanfiction un peu hein. Bonjour. Bah qu'est okay. Tu n'aimes pas ma moustache. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Venez par là vous. Voilà voilà, on va faire une petite tourelle de Knacky là. Magnifique. Ah là je suis déçu. Bah finalement elle se contentera d'un seul hein. Ah mais il y a même pas la Goombette. Elle est pas spawn, faut avoir fini le jeu. En vrai, là, si par exemple, j'arrive sur elle et que je fais « Dégage Gérard », normalement, elle aime bien le sombrero, elle me dit « Bonjour ». Là, on est bien. Après, en vrai, le truc qu'on pourrait tenter, c'est de faire le leg clip avec un Goomba. Attention, le leg clip par un Goomba. Il a Rainbow Spin, je vais péter mon crâne. Du coup, j'ai pas le... Bon, du coup, j'ai le coffre, mais au lieu de me faire mon Epsro, alors que je soulève ma manette, il me fait un Rainbow, fait chier. Hop là. Je pense que les Goomba jouent bien au tennis. En vrai, avec leurs pieds, il y a moyen. Je me demande si je peux toucher le lapin avec ça. En vrai, Mazette, je l'ai chopé instant. Attends, pardon, est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il peut faire du foot avec vous? Oh ouais. Oh, oh, la passe de Pavard, attention. Mbappé, c'est tout, hein. Je connais rien d'autre. Hein. Ouais, merci. Hop là. En vrai, avec lui, je vais là-bas. Je vais jusqu'aux confins de la terre. Non, c'est trop bas. Attends, en vrai, je suis sûr, il y a moyen de faire ça. Ah, ça marche pas de faire ça? Attends, c'est chelou. Oh, mais j'ai trouvé un cheat code. Non, ça marche pas, ça remet la distance, la taille normale. Ah, dommage. Putain, viens là, toi. Attaque. Pourquoi elle attaque pas avec... Pourquoi elle crache? Crache pas, toi. Mais elle tape avec ta tête. Pourquoi elle tape pas avec sa tête? Normalement, elle attaque avec sa tête, on est d'accord. On va aller prendre ça. Attention, le parcours de Robert, le parcours de... Temporise. Regardez, ça peut être intelligent. Ah, tu peux pas péter ça, toi. Biskine un peu. En gros, le but, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire au maximum en étant un Goomba, en fait. En vrai, prendre lui. Ça sert à rien, mais je vais prendre lui. Eh, hey, y a pas la hauteur là. Il y avait pas la hauteur. Bizarre. Bah, la poète, poète. Ah, mais y a pas la hauteur là sur ce saut. Mais c'est abusé. C'est à dire que même le Goomba Robert là, il y arriverait à faire ce saut là. C'est chelou ça. Ah, attention, le combat Robert contre Spiward, ça va être quelque chose. Hein. Hop là, viens là. Alors, c'est obligatoire qu'il mette un dégât là du coup, mais ok. Vas-y, hop. Hop là. Le coup de Robert. Magnifique. Hein. On rappelle, il met un chassé retourné. Regardez bien. Hein. Il va encore mettre un. Après un dégât, je sais pas pourquoi par contre, mais ok. Regarde, attention, le chassé retourné dans 3, 2, 1, chassé retourné. Magnifique, let's go. Bonjour. Déjà, normalement, en plus, il y a Mistinguette. On va aller voir Miskina la Goomba. Elle est là, normalement. Voilà. Est-ce qu'elle est intéressée par El Macho?
Elle est pas intéressée par El Macho, ça dégoûte, elle aime que les Goombas à moustache. C'est triste hein, quand même. Hein. Regardez tout ce qu'elle se tape, elle s'en tape combien là? On va compter les enfants. Elle s'en tape exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est énorme. Oh, attention, oh là là, on rajoute un. Hein. Oh là, on rajoute. Une pensée pour Gérard, tomber trop vite au combat. Voilà, là je monte avec mon Goomba. C'est fou hein. Hop là. C'est quoi ça? C'est quoi comme zone? C'est cette zone là, il y a des Robert de partout. Bonjour. On est bien accueillis. Pouette, pouette, pouette. Et là, normalement, c'est comme ça qu'on est censé atterrir là, hein, d'après Nintendo. Hein. Alors qu'en fait, en vrai, tu fais juste ça, et t'es à la fin, hein, vraiment. Hop là. En vrai, une lune rapide pour se barrer de Wooded là. Attends, mais je sais, mais bien sûr que je sais. Voilà, Gérard qui nous montre la voie vers la noix. Hein. Voilà, merci, merci Gérard. Sans lui, on l'aurait pas fait. Hein. Sans lui, jamais on serait nul là. Hein. Mais le mode ne change que l'aspect de Mario. Non, parce qu'il y a aussi des Goombas partout. Chaque checkpoint. Je pense Gérard a un lien familial avec Roberto. Je pense son frère. Ouais, y a pas un air de famille, genre regarde un peu. Y'a un air de famille un peu quand même, non? Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc. C'est la pause FDP. Ceci est un message pour vous rappeler que bien évidemment, si ce n'est pas déchevé, vous pouvez très bien vous abonner, mettre le petit pouce bleu et ainsi que mettre la cloche, bien évidemment. Par contre, en vrai, contre Bowser, c'est mort. Hop là. Pas la la popouette. Attention. Le Goomba qui fait de la boxe avec deux chapeaux. Non pas un, mais deux. Parce qu'il a El Sombrero. Hop là. Tac, tac, tac. Hop là. Pas la popouette, pas la pop. Et d'ailleurs, aussi, cette petite anecdote, faut savoir que dans la classe où j'étais, en première et terminale, il y avait que des mecs. Je peux vous dire que, les gars, ça faisait des blagues olé olé à tout va tout le temps, là. Mais je peux vous dire que dès qu'il y avait ce qu'on appelle un spécimen féminin qui rentrait dans la classe, alors là, tu pouvais entendre les hirondelles chanter au loin, hein, vraiment. Hein. Alors du coup, on va prendre toi. Et ça fait quoi si je suis en transformation et que je m'avance là? Ça marche pas. Le kleptomane me détecte quand même, c'est terrible. Hop là. Klepto qui s'appelle Klepto car il est kleptomane, c'est fou quand même. Hein. Je pense pas que le jump soit faisable. Oh. What the... Oh le saut d'enculé que je viens de faire. On refait? Attends, c'est chaud en vrai. En vrai, c'est chaud. Ah hop là, viens là toi. Bonjour. Attends, on va prendre Gérard. En vrai, y a pas une île genre... Ouais, y a ça là-bas là. Mais ça, en vrai, on peut le faire à la fin. Ça, je peux pas monter hein. Ça passe pas. Le sacrifice de Robert ne sera pas vain. On n'a jamais vu un Goomba aussi chaud bouillant à cet endroit là vraiment. Et là attention. Magnifique. Hop là. Ça se faisait comme ça. Voilà. On prend ça. Voilà. Tant pis. On prend comme ça. Hop là. Et j'avais dit que je voulais aller chercher. C'était celle qui était sur l'île toute seule. Hop là. Hop là. Hop là. Par contre y a pas de Goomba là. Y a pas de Goomba au début. Ah ils sont là. Ok. Bonjour. Ok parfait. Hop là. What the fuck is that? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce qu'on pourrait m'expliciter? Est-ce qu'on pourrait m'expliciter ce qui se passe à l'écran là? Est-ce qu'on pourrait m'expliciter ce qui se passe à l'écran actuellement? Mais... Hop là. Pardon. J'ai pas compris ce qu'il y a eu mais ok. Bah pas la pop pouette. Pouette 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 pouette. Hop là. Tac tac. Non c'est une blague? Mais non mais la poubelle elle a tué mon Goomba. Genre les Goombas gilets jaunes. Et c'est moi qui viens faire le contre-maître un peu là. Bon, excusez-moi monsieur, s'il a pu me permettre, les poutres étaient censées être dans un certain ordre. Voilà, je vous prends de haut monsieur. Je vous prends de haut parce que là le travail il n'est pas fait. Donc là vous allez retourner faire le chantier. Et si vous continuez à me casser les couilles, je vais commencer à prendre sur votre SMIC. Et pour vous ce sera la même chose. Parce que Alberto, ça fait 3 fois qu'il te demande de prendre la poutre et que tu ne la prends pas. Et en plus ils rentrent même pas tous là-dedans. C'est-à-dire que même si je fais ça... Quelle triste histoire, quelle triste réalité. Voilà. En vrai, j'ai envie de prendre, c'est les Goombas qui sont à l'extérieur, là. On peut faire ça. On peut aller là-bas, genre. On peut prendre ces lunes-là. En vrai, on peut aller là-bas. Et hop là. Donde está la luna? Je crois qu'elle est en haut, là. Déjà, comment il fait pour s'attacher, là, le Goomba? J'aimerais qu'on m'explique un petit peu la notion de balance. Elle est tout en haut, c'est ça. C'est genre, c'est ça le prank, c'est en fait, il y a tout un... Ouais, ok. Oh, mais attends. En vrai, la branlette, un peu, ou pas? Vas-y, Gérard, vas-y, Gérard. Vas-y, Gérard, c'est toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a aucun problème, mec. Quoi? Non! Mais c'est l'autre connard qui m'a fait ça! Non, Robert qui veut pas qu'on s'amuse! En vrai, attendez, en vrai, on rigole, mais c'est dur. En vrai, c'est technique parce qu'il faut pas s'arrêter de secouer, en fait. Mesdames, dépêchez-vous, je souffre, j'ai mal au bras. Oui. Je peux le faire, encore 50. S'arrête pas, et mesdames et messieurs, la deuxième. Let's go. Hop là. Est-ce que ici, il y aurait pas une lune par hasard? Il y a pas de lune ici, hein. C'est terrible. Et si on tombe lentement, mais sûrement, ça passe? Alors comme ça, on fait un petit trou.
J'aurais presque le temps de mettre un petit documentaire animalier, d'ailleurs documentaire sur les salamandres tout de suite. Leur étrange déguisement jaune et noir passe pour être un avertissement vis-à-vis des prédateurs qui savent, pour la plupart, que l'animal secrète un poison violent. Oh non! On a atterri dessus! C'est triste. Est-ce que ça marche ça avec lui? Je pense pas. C'est un bumper, hein. Non, ça marche pas. Oh mais attends, mais what? Mais c'est quoi la hauteur de ce paragumba par contre? Attends, mais là si je secoue comme un malade, normalement en théorie. J'y ai cru, hein. Ah, je me demande si la Snowdrop elle passe avec les Goombas, on testera ça après. Hop là. Non. Je vais pas faire ça comme ça, vraiment, je vais pas faire ça comme ça. Pourquoi je transforme en Goomba alors que tu es déjà un Goomba? La vraie réponse, la seule et l'unique, je le sais, vous le savez, absolument, tout le monde le sait, les M&M's, c'est trop bon. Ouais, pas là. Quoi? Comment ça? Quoi? Il vient d'où lui? Ah, mais c'est Robert lui. Ok, 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 ouais, ouais. Pim, pam, pam. Hop là. Et là j'ai vu là le seum parce que je crois que on va pas pouvoir faire la Snowdrop avec les Goombas. À moins que. Allez mec, la branlette. Oui. Bien joué ça. On sent qu'il y a une maîtrise d'un certain mouvement vertical. Comment ça t'as un Goomba? Je suis un Goomba, je contrôle des Goombas. Voilà, on est sur un stream de Goomba pour les Goombas, fait par les Goombas. Goombaception. Ah mais non mais c'est ça, hein. Un Goomba dans un Goomba qui en fait se déguise en Goomba. Pour faire le pouvoir du Goomba dans le Goomba du Goomba. Attends, mais en vrai, de là-haut, je pense que je peux faire la blinde de trucs. Parce que là-bas, on peut monter. Et je pense que je vais aller là-bas, genre accéder à plein de trucs en faisant ça. Ah, mais le Paragoomba, ça marche? Le fait que j'ai des ailes, ça te gêne pas? Ah si, elle veut pas. Elle est en mode, je le ferai bien un coup d'un soir, mais pas plus. Ah si, ah finalement, elle veut bien, hein. Plus qu'un coup d'un soir. Elle veut que de ton Zelda, de ton Goomba, pardon. Goomba, il a trois cheveux. C'est pas des cheveux, c'est les sourcils, en fait, qu'il y a de présent sur le truc. Ah, mais en vrai, j'ai pas la hauteur pour là-bas. Dommage, hein. Je pense pas que ça passe, hein. Ouais, non, ça passe pas. Après, peut-être que si je passe de l'autre côté... Aïe, let's go, ouais, ça passe. Let's go. J'avais jamais fait gaffe que j'encule, il avait un chapeau. Non, il a un petit chapeau de D'Artagnan. Comment tu vas, j'encule? Tu vas bien? Passe ta meilleure vie? Ça s'use bien? Dans Bowser avec Capi. Vraiment, jouez à n'importe quel Paper Mario, vous verrez que tous les Goombas sont pas méchants. Hein. Même l'origami. Non, l'origami est méchant parce qu'il est mind control, il se fait contrôle mental. De base, il est gentil. Le pire, c'est que le premier Goomba origami qu'on croise, tu le croises dans la prison, il est en mode, il est tout gentil, et il dit qu'il veut voir un Toad. Quand les mascasses origamisés lui disent, faut nous suivre, il part, et il est en mode genre, oh, j'espère qu'on va voir un Toad, etc. Et quand tu le revois, genre, 10 minutes après qu'il s'est fait origamiser, le premier truc qu'il dit avant de t'attaquer, c'est, je n'ai même pas eu le temps de voir un Toad. Et il t'attaque. On va aller voir Miskina, la Michto. Attends, mais deux, c'est pas assez pour elle. Elle veut des chefs et des chefs pâtissiers. Viens là. Je rêve où il y a un Goomba qui a écrasé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai tourné la tête 2 secondes. Ah, mais en fait, quand tu cours avec eux, ils tombent en fait. Merde. Attends, je vais faire une dinguerie là. Hop là. Tiens, viens là, je vais te goomer toi. Hop là, voilà, je prends ta lune. M'en bats les couilles, frère. Attends, mais quoi? Il y a une lune là, genre? Attends, mais c'est la lune du bras zéro, elle est là. Mais qu'est-ce que. Ok, what the f... En vrai, on peut aller là-bas, hein. On peut voler jusque là-bas, il y aura certainement des trucs à faire. On fait jamais ces trucs-là, en plus, d'habitude, en speedrun. Alors, je sais même pas ce qu'il y a à faire, là-bas. Je regarde, il y a déjà les 2 Goombas, là. Bonjour. Ah, il faut grimper sur les trucs. Ok, ok. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ah, mais... Puis donne une lune, en plus. Ah, c'est magique, ça. Hop là. Et du coup, maintenant, je peux accéder à ce qui est là-bas, en fait, en faisant ça. Oh. Let's go. Alors, par contre, c'est qui est là où jamais on y va, mais bon, celle-là, au moins, on peut y aller, quoi. Let's go. Let's go. Allez, le dragon, on connaît la chanson. Uno. Dos. Et... Bonjour. Donc, voilà. Hop là. Bah la papouette, pouet. Y'a pas de S. Oh ça l'a tué. Ça a tué le Goomba, le fait d'avoir la petite boule électrique, let's go. En vrai non mais Ariette c'est pas possible du coup. Ah enfin, si mais genre faut la faire avec Robert d'abord. Ouais la papouette. Oh c'est incroyable ce que j'ai fait par contre. Bonjour. Oh c'est vrai. Ah mais ça marche pas ça par contre pour de vrai. Genre Ariette on peut pas. Hop là. Oh mais par contre on peut. Mais pourquoi il y a des moments il veut pas? Là par contre là c'est la merde. Hein. Ah je pense que je vais mourir là. En vrai non, attends, puisqu'il attaque. Je suis un monstre. Pas la poète, pas poète. Je peux pas faire ça comme ça. Et... Là.
Pouet, pouet. Attention, Super Goomba Odyssey. Ok, c'est bon. Pouet, 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 pouet. C'est une blague. Waouh, c'est chaud, mais il s'est retourné comme un enculé, là, je reconnais. Hein. Et hop là. Alors ouais, alors justement, on disait, le Goomba, il a géchant un peu. Bonjour. Voilà, il a, voilà, Robert, il est bizarre. Hop là. Hop là. Y a-t-il, quelque part, un petit Paragoomba? Pas toi, hein. Hop là. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Normalement, oui. Là, il y a largement la hauteur, là. Ça va rassurer le Moonskip? Bah, bien sûr que ça va rassurer le Moonskip. Moonskip est fait comme ça, par les speedrunners MDR. Bah, bien sûr. Hop là. Et là, attention. Le Goomba qui sauve le monde. On le rappelle. El señor, el hombre, el macho. Bonjour. Hop là. Le gombrero, porque se manda matar al señor Bosser. Et... Oh là 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 là. Et voilà comment on a terminé Super Mario Odyssey en disant... Bonjour. Oh, le Goomba, il a faim.